aujourd'hui, on va parler le problème du mariage. Mariage, mariage, mariage. Ce que Dieu même a recommandé. Voilà. Dieu même nous a recommandé, quand tu es dans le mariage, c'est quelque chose du bien, c'est quelque chose qui est très important, la famille. Voilà, aujourd'hui, vous connaissez les citronnelles, là, la famille. Tu as fait des années, plusieurs années, tu veux te marier. Vraiment, ça ne va pas avec toi, le problème de mariage, tout est bloqué avec toi. Voilà. J'ai fait des recherches, beaucoup de recherches, mes chéris. Voilà, vous pouvez aller rechercher ça aussi, mes chéris. Tu as beaucoup fait, parce que j'ai reçu beaucoup, hein, les recherches, ça a marché pour certaines personnes. Certaines aussi, ça ne peut pas marcher, parce que c'est comme ça. Voilà. Donc, la recette, c'est, vous connaissez le citronnelle, là, mes chéris. C'est la feuille de citronnelle que je vais préparer aujourd'hui pour la recette de notre mariage. J'ai déjà mis l'eau dans la marmite. Pourquoi j'ai mis l'eau dans la marmite? Parce que ça ne prend pas du temps. Ça va être, quand l'eau est chaude, ça va nous aider beaucoup, la famille. Donc, vous le voyez, la famille, c'est le citronnelle, là, ça, aujourd'hui, qu'on va utiliser, mes familles. Les femmes, comme vous le voyez, vous allez prendre ça. Moi, je vous montre la démonstration, hein. Donc, vous-même, vous allez chercher une bonne quantité, hein. Voilà, vous-même, la famille, vous cherchez une bonne quantité, ok, la famille? Je vous montre la démonstration, comment ça se passe. C'est à vous d'aller chercher maintenant la bonne quantité maintenant. Voilà, parce que pour nous, là, c'est pas facile à retrouver citronnelle, hein. Voilà, mes chéris. Donc, vous allez faire, vous le voyez, là, c'est la feuille de citronnelle que vous me voyez comme ça. Donc, la feuille de citronnelle, là, je mets dans la marmite. Donc, tu vas laver ta feuille de citronnelle comme ça. Je vais approcher comme ça. Tu vas laver la feuille de citronnelle que vous me voyez comme ça, mes chéris. Quand vous allez finir de laver, là, vous allez mettre dans la marmite. J'ai déjà ajouté de l'eau, voilà. Vous allez la fermer pour que ça va se préparer, mes chéris, comme vous le voyez comme ça. On attend, mes chéris, toujours. La recette est déjà dans le feu. C'est la feuille de citronnelle. Je garde ça parce que des autres, je vais les montrer ceux qui sont en retard, là. Donc, mes chéris, qu'est-ce que vous allez faire? Ça fait la feuille de citronnelle, là. Donc, voilà. J'apprête toujours, tout va être apprêté, mes chéris. Très important pour les femmes, c'est important, mes chéris, c'est important. C'est très bien avec ça, ça nous donne toujours, ça nous remporte. Le mariage, c'est la fierté de toutes les femmes. Le mariage, c'est la fierté de tous les hommes. Parce que quand tu vas te marier, avoir quelqu'un vraiment qui va te faire heureux, là, c'est très important, la famille. C'est ça qu'on cherche, c'est le choix. Le choix de ça. Le choix, là, quand Dieu va te tomber, avoir un bon choix, c'est important. Parce que toutes les femmes sont belles, toutes les femmes sont charmantes, toutes les femmes sont excellentes. Mais c'est l'homme qui nous différencie. Quand tu vas tomber à un homme, là, qui t'aime, là, même si tu es quoi, l'homme, là, va te montrer ta valeur. Il va te faire toujours plus que. Donc, il y a d'autres femmes aussi. Ils sont tellement belles, plus que toi-même. Voilà. Ils sont tellement extraordinaires, mes chéris. Mais malgré tout, ils ont tombé, là, avec leur homme qu'ils ont tombé, là. Vraiment, ils n'ont pas eu la chance. Voilà. Voilà. Quand je comprends bien, je vois une recette ici, là, on me dit que j'aimerais avoir la feuille de gueka. Je suis, voilà, c'est passé. Voilà, si je comprends bien. Si je comprends bien la famille, je vous dis, voilà le témoignage. J'ai dit, moi, je suis fier, je suis content avec ce travail-là. Voilà, même le temps même que j'ai fait la recherche, là, ça me fait comme je ne fais même rien. Ça me donne, parce que c'est du bonheur. Je vais en revoir encore. On me dit que merci à vous, grâce à Dieu, à votre recette Ben Danana de 7 jours, Dieu m'a donné un homme. Vous le voyez, c'est important. C'est comme ça. C'est important. Elle est contente. C'est bien comme ça dans sa vie, c'est comme ça. Je dis, c'est comme ça, on cherche, mes chéris. Quand tu es toujours bien comme ça, c'est comme ça. Le cœur, là, il faut la laisser, relaisser bien, là. OK? La feuille de citronnelle, oui, c'est ça que je cesse, là. Voilà, c'est prêt maintenant, c'est chaud, j'ai mis, parce que c'est pour cela que je fais comme ça. Voilà, vous devrez avoir vos seaux de bain, là, comme vous me voyez. Voilà le seau de bain qui est avec moi, comme ça. Donc, le seau de bain, là, comme, qu'est-ce que je vais faire? Quand vous allez faire comme ça, l'eau, là, qu'est-ce que vous allez attendre? Je vais éteindre d'abord. Vous allez attendre la famille. Ça va se refroidir. Moi, je vous montre. Vous allez appliquer comme ça. Vous avez vu le feu de citronnelle là. C'est comme ça. Vous allez attendre. Quand ça sera prêt là, vous allez filtrer de l'eau là. Voilà. Vous allez filtrer. Mais vous allez attendre jusqu'à ça va se refroidir bien. Ça va se refroidir. Ce n'est pas chaud. Ce n'est pas froid là. C'est comme ça que vous allez utiliser l'eau là, mes chéris. Donc, qu'est-ce que vous allez faire avec l'eau là, mes chéris, comme vous me voyez? Vous allez attendre comme ça, comme ce n'est pas refroidi. Pour moi, ce n'est pas refroidi. Mais vous allez attendre, ça va se refroidir, vous allez la recouvrir. Vous aurez besoin de l'eau de coco qui est avec moi comme ça, voilà.
Vous allez prendre le coco comme ça, la famille. Quand ça se refroidit, là, le bain. En faisant vos bains, là, n'oublie pas le V que tu veux, mes chéris. Parle tes V, ok? Tu vas parler tes V, là. Après, quand tu vas finir parler tes V, voilà, il faut ajouter l'eau de coco, là. Voilà. L'eau de coco, là, il faut ajouter quand c'est refroidi, là. Il faut te laver ça le vendredi. Voilà. Il faut aller te laver le vendredi, 4 jours. Il faut te laver vendredi, samedi. Tu continues jusqu'à 4 jours, successivement. Mais commence ce vendredi à te laver jusqu'à 4 jours, mes chéris. OK? Il faut te laver ça, mes chéris. Tu vas te laver ça, tu vas venir me pointer. C'est pas grâce à Dieu, pas moi. Dieu va t'avoir un bon mari. Dieu te veut ce que tu veux. Dieu va te donner par grâce à Dieu, mes chéris. Merci là-bas. Tu seras content avec ce recette parce que tu auras des bons maris. Dieu va te donner par grâce à Dieu. Merci là-bas.